Si vous choisissez de louer un camping-car autonome tôt ou tard, il va falloir que vous sachiez vous servir d'une station de vidange. Une station de vidange est une canalisation spéciale pour vider vos toilettes et aussi vos eaux usées. C'est-à-dire l'eau de votre douche et de votre évier si vous en avez un à bord. On les reconnaît avec leur panneau bleu et on peut les localiser en utilisant l'appli gratuite CamperMate. En général, il y a un couvercle de métal qu'il faut soulever. Vous verrez deux collecteurs. Le premier, avec le couvercle, est destiné à la cassette de vos toilettes. L'autre, à vos eaux usées. Il se peut que vous trouviez qu'un seul drain à la station de vidange. Il est universel et signifie que vous pouvez y déposer à la fois la cassette des toilettes et votre eau grise également. Retirer la cassette est très simple. C'est une bonne idée de garder à portée de main du désinfectant ou des gants jetables à bord. Si vous voyagez dans un camping-car plus petit, vous avez peut-être des toilettes de camping comme celle-ci. Videz la cassette dans le collecteur et pressez le bouton pour permettre à l'air d'y rentrer. Quand vous avez terminé, rincez la cassette avec de l'eau et ajoutez le produit chimique en bouteille ou en tablette avec deux verres d'eau. Vider les eaux usées est également facile. Il suffit de raccorder le tuyau au tuyau de sortie et de tourner le levier pour vider le contenu dans le collecteur d'eau usée. La plupart de l'eau que vous trouverez dans les stations de vidange n'est pas propre à la consommation. Ne remplissez votre réservoir d'eau que si vous avez le symbole de l'eau potable. Quand vous avez fini, assurez-vous de laver au jet la station de vidange afin qu'elle soit propre et rangée pour la personne suivante. Si vous venez en Nouvelle-Zélande, n'oubliez pas de télécharger l'appli gratuite CamperMate pour trouver les stations-service, les supermarchés à proximité, les alertes routières en temps réel, les points de Wi-Fi gratuits et plein d'autres choses dont vous avez besoin sur la route. Merci d'avoir regardé cette vidéo.